Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont des témoignages terribles. Une jeune femme a nous expliqué comment elle a découvert que certaines personnes qui volent les chances des gens dans les bars. C'est hors du commun. Mais comment ça se passe? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur notre bonne. Et laissez vos j'aime partager. C'est parti. En fait, mon histoire, moi, je l'ai vécue ce week-end. Je suis sortie avec des amis pour me rendre dans un grand snack bar. C'est une boîte de nuit à Aqua, avec un grand nom à Aqua. Quand je suis arrivée au snack, nous sommes arrivés vers 23 heures. On a bu les champagnes. Et tout, jusqu'à peut-être 1 heure du matin, j'ai commencé à avoir envie de faire pipi. Je suis arrivée aux toilettes, il y avait un monsieur à l'entrée qui distribuait les papiers hygiéniques. Genre, si tu veux faire pipi, si tu n'as pas le Lotus, il te donne. Même si tu as le Lotus, il te propose quand même. Moi, j'avais dans mon Lotus. J'ai fait pipi, j'ai chassé. Quand je sors de la douche, il me demande si j'ai mis. Le papier hygiénique, le Lotus que j'ai utilisé dans la poubelle. Je lui ai dit non, j'ai chassé. Il dit ok, mais prochainement il faut que je le mette dans la poubelle. J'ai seulement dit ok, je suis partie. La deuxième fois, quand je reviens pour faire pipi, parce que ma vessie ne faisait que se remplir, elle se remplissait rapidement. La deuxième fois, quand je reviens pour faire pipi, il me propose toujours le papier hygiénique. Je dis non, j'ai mon Lotus, c'est pas encore fini. Il est encore là. Il me dit qu'il serait préférable que je prenne le papier hygiénique, comme ça va me permettre d'économiser. Il dit, mais mon frère, moi, je préfère utiliser le Lotus parce que le papier hygiénique là, je ne suis pas trop sûr et tout, les infections, machin, truc, à plus. J'ai essayé de lui expliquer comme ça. Il a dit, en tout cas, quand je finis de faire pipi, je lance dans la poubelle. J'ai dit, ok, je suis entrée à la douche, j'ai fait pipi, j'ai lancé dans le pot et j'ai chassé. Il me demande, j'ai lancé dans la poubelle. J'ai dit, non. Il me dit que, mais pourquoi quand on vous parle, vous ne voulez pas souvent écouter? J'ai dit que, mais le problème, c'est où? Il faut même sensibiliser les gens de telle façon que. Quand il pisse, il lance plutôt dans le pot, il chasse. Là, ça va t'éviter trop de travail pour vider les poubelles et tout ça là, vider les saletés des gens et tout. Ça va t'éviter le travail là. Mais je dis que ce n'est pas mon problème. Il me dit juste que je dois. Désolé, je suis un peu grippée. Je parle comme ça, je suis un peu grippée. Il me dit que je dois verser dans la poubelle. Je dis que non, moi je ne verse pas dans la poubelle. Je finis, je chasse. Il dit, ok, tant mieux alors. Voilà comment je pars. Je reviens pour la troisième fois parce que j'avais vraiment bu. Donc ma vessie se remplissait très vite. Voilà comment je reviens pour la troisième fois. Je trouve qu'il est en train de mettre les papiers hygiéniques là, que les gens avaient, les filles avaient déjà mis beaucoup dans la poubelle, dans un plastique noir. Il attache les sacs poubelles. Il attache. Je lui demande que vous faites quoi avec ça. Il me dit que moi, la fille, il dit que toi, la fille, c'est avec tes questions. On te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Hein? Tu m'as venu faire quoi au snack? Une petite fille comme toi, tu m'as venu faire quoi au snack? Il dit que l'apparence est trompeuse. Qu'est-ce qui te dit que je suis une petite fille? Voilà comment on engage dans la conversation. On commence à causer, machin. Il me demande avec qui je suis. Il dit que je suis avec des amis là. Et un dragueur dont nous sommes venus boire un peu. On cause, on ne fait que causer. Comme il sent déjà qu'il est en confiance, je lui demande encore que mon frère, vous faites même quoi avec les Lotus là, non? Parce que c'est pas mieux de dire aux filles de mettre dans le pot et chasser une fois. Ça t'évite de ramasser la saleté des gens et tout. Il me dit donc en fait, il ne me conseille pas de venir au snack, faire pipi et puis lancer mon papier hygiénique dans
que soit mon père, je veux que le tue dans la poubelle parce que c'est ça que eux ils utilisent pour prendre les chances des filles. Ils utilisent ça pour prendre les chances des filles, augmenter le bénéfice dans le snap. Donc quand ils partent, ils font des incantations sur ça, ils prennent des chances. Ça fait que le snack tourne toujours, la boîte de nuit tourne toujours bien. Ça fait que les grands monsieur, ils arrivent, ils dépensent. Même si tu n'as pas envie de dépenser, tu vas dépenser avant de te rendre compte que voilà, tu n'as plus 5 francs. C'est ce qu'il m'a dit. Et que ça sert aussi à faire beaucoup d'autres choses. Il a dit que les choses là, c'est quoi par exemple? Il a dit qu'il ne peut pas m'expliquer, que je me contente juste de ce qu'il m'a dit. Que quand j'arrive dans un snack, je fais pipi, j'évite de mettre. En fait, que je chasse. Comment dire? Que je chasse le papier que j'ai utilisé avec l'eau une fois. Ou alors que je rentre avec mon lotus à la maison où je vais jeter dans un autre endroit que dans le snack. Parce que quand eux, ils prennent ça, c'est pour vraiment utiliser ça à des fins spirituelles. J'ai dit, ok, merci, j'ai compris. Quand je suis partie, je me suis assise le matin, j'ai raconté ça à mes amis. Tout le monde était seulement étonné, dépassé que. Donc, quand nous, on part, on fait pipi comme ça, là, c'est ce que les gens, là, ils restent faire avec nos lotus et tout, et tout, et tout. C'est juste pour moi, pour dire aux filles qui partent aux boîtes, dans les boîtes de nuit, là, que pardon, soyez prudentes. Même si tu veux faire pipi, on n'interdit pas que tu fasses pipi. Va, tu fais pipi à la douche et puis tu chasses ton papier hygiénique. Ou alors tu rentres avec ça chez toi. Tu ne sais pas ce qu'on reste faire avec par derrière. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous. Wow, vous avez entendu ça? Soyez vigilants. Bien, nous allons écouter encore nos témoignages. C'est parti. Mais moi, je voudrais dire aux gens que la sorcellerie existe. Beaucoup ne croient pas, mais elle existe bel et bien. Elle existe. Je voulais raconter l'histoire de mon voyage, de mon premier voyage au Cameroun. En 1999, mon fils avait 3 ans. Mon mari est camerounais. Il est originaire du sud du Cameroun. Un jour, il m'avait dit, allons, je vais aller voir ma mère, ça fait longtemps que je l'ai vue. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'était mon premier voyage au Cameroun. On est parti, arrivé là-bas. On est bien arrivé. 3 semaines après, l'enfant est tombé malade. Vraiment, l'enfant est tombé malade, hein, je vous jure. Quand l'enfant tombe malade, on va à l'hôpital, on fait des trucs, des examens, on ne voit rien, on fait. Il avait mal au ventre. Il y a une amie à ma belle-mère qui vient à la maison un jour. Elle dit à ma belle-mère, mais l'enfant, là, il a la rate. Il n'a pas la maladie que vous croyez. C'est la rate qui l'embête. C'est pourquoi il ne mange pas bien. C'est pourquoi ça lui finit le sang. Là, c'est la rate, il faut vacciner pour que ça lui libère un peu. Donc, elle a palpé la rate, elle a palpé. Et ma grand-mère, ma belle-mère a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner ça? C'est là où la dame a dit non. Moi, je soigne ça, mais pour le soigner, je ne peux pas le soigner ici. Il faut venir au village, chez moi, au village, tu connais là-bas. Elle a dit oui. Il faut l'amener. Vous venez. Parce qu'il faut que je le soigne tôt le matin. Je ne dois pas parler avec quelqu'un. Je ne dois pas toucher de l'eau. Moi, c'est comme ça que je soigne ça. Ma belle-mère a dit ok, je vais programmer un voyage, je viendrai, je vais l'amener. Parce que ma belle-mère a dit, non, l'enfant de tous les trucs qui sont arrivés, l'enfant est malade, c'est pas bon, j'ai peur que quelque chose arrive ici. Et c'est la première fois qu'ils viennent ici. On a programmé le voyage, on est parti. Un après-midi, aux environs de 17 h, nous sommes allés à la gare routière, on a pris la voiture pour aller à son village. On est arrivé là-bas à 19 h, 20 h moins, oui, je me rappelle, 20 h moins. Arrivée là-bas, la dame nous a bien reçus, elle nous a bien reçus. Elle nous a donné des couchettes. J'ai mis mon fils à côté de moi, ma belle-mère aussi était à côté, il y a un lit à côté. On était tous là. Aux environs de 22 h, 23 h, je vous jure, DMG, sur la toiture, il y a la cour
de cette maison, à la fenêtre, à la porte, on a entendu des bruits bizarres, des grands bruits. C'est comme si on avait ouvert un poulailler, DMG. Des trucs se sont mis à s'envoler, à s'envoler, à s'envoler. On entendait sur la toiture, ça marchait. Ça marchait partout. Ça a commencé à chanter des hiboux. Ouh, et ouh, et ouh. Et toute la nuit, la dame a dit, vous avez entendu? Elle a dit, ils sont venus, ils savent qu'il y a des étrangers ici. Ils savent qu'il y a des étrangers. Et ils sont venus voir si parmi vous, quelqu'un a la sorcellerie pour leur suivre dans leur monde mystique. Et ils sont venus aussi voir s'ils peuvent aussi manger une proie. Adam a commencé à me dire ça, DMG. Je te jure que j'avais la chair de poule. Je me suis mise à prier, prier, prier sur moi-même, prier sur mon fils, prier sur moi-même, sur l'enfant. C'est surtout sur l'enfant que je priais. Et surtout que... il était malade. J'ai commencé à prier, 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 prier. C'est là où la dame nous a raconté qu'elle avait eu la visite d'un homme dans le passé, originaire du nord du Cameroun, qui est venu dans son village. Il avait aussi eu la même chose, mais lui, il est sorcier, mais on l'a retrouvé mort dans la matinée. À 5 heures du matin, on a retrouvé son corps mort. Donc, justement, j'ai pris peur. J'avais peur, DMG, j'avais peur. Je dis, Seigneur, je ne connais personne ici, je n'ai personne ici. Je n'ai personne, je suis loin de chez moi, Seigneur. J'ai confié ma vie à Dieu. J'ai prié toute la nuit, je n'ai pas dormi l'œil. J'ai fermé l'œil quand j'ai entendu le premier chant du coq de 5 heures. C'est là où j'ai commencé à m'assoupir un peu, j'étais fatigué, j'avais sommeil. Et c'était en ce moment-là qu'elle nous a réveillés. Elle a dit non, je vais soigner l'enfant. Et ça s'est bien passé. Elle a soigné l'enfant, on est revenu. Ça s'est très bien passé. C'était ma petite histoire en fait pour vous dire que la sorcellerie existe. Si vous allez dans un village que vous ne connaissez pas, vous allez entendre des tentations. Il y a beaucoup de tentations. Et si vous êtes dans ce monde-là, si vous le suivez, tant pis pour vous. C'est fini, vous êtes parti. Donc faites attention. Faites attention là où vous mettez pied. Faites attention là où vous partez. Vraiment, la sorcellerie existe. J'ai eu peur cette nuit-là. Et c'était quoi? C'était des hiboux. Ils étaient nombreux. Nombreux des centaines. Parce qu'ils étaient partout. Perchés à la porte, à la fenêtre, ils grattaient. C'est comme s'ils voulaient qu'on ouvre la porte pour qu'on sorte, pour en finir avec nous. Sincèrement, la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Merci, likez, waouh, partagez. La sorcellerie existe réellement, Seigneur. Bien, nous allons écouter encore le témoignage hors du commun. Donc ça s'est passé autour de 2017 par là au Gabon. Ça s'est passé autour de 2017 au Gabon. Je devais en fait rendre visite à une tante à moi. Donc il y avait souvent eu certaines histoires là concernant sur des faits paranormaux et tout concernant sa vie et tout le reste. Mais vu que c'est pas des choses, ce sont des choses qui se sont dites peut-être une ou deux fois en passant. Donc la plupart du temps, on se fréquente, on s'appelle. Donc c'était un peu comme ça. Et je me rappelle que j'étais encore très jeune. J'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 24 ans. Donc j'avais 10 ans quand j'étais la dernière fois que j'étais parti là-bas. Et je ne pense pas avoir mis plus de 2 semaines. Donc, je suis allé là-bas, normalement, comme un enfant de 10 ans, je suis allé là-bas jouer avec les autres, j'ai passé des vacances, je suis passé à autre chose. Donc, maintenant, moi, je constatais que eux, ils étaient toujours très attentionnés quand ils me voyaient souvent dans les cérémonies des familles. En temps, eux, d'habitude, leur comportement, ils ont souvent une mauvaise réputation, en fait. Ils ont une mauvaise réputation, les gens les évitent beaucoup dans la famille.
Donc, ce qui faisait que le fait même que j'étais parti chez eux, c'était un vrai miracle même que on avait accepté de m'envoyer là-bas. Donc, brièvement, je suis allé, j'ai fait un temps, je ne sais plus si c'était une ou deux semaines par là. Donc, je suis revenu, je peux dire 10 ans, 14 ans plus tard, parce que ça a vraiment mis du temps. Donc, voilà, j'étais allé dans une église, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais je remarquais qu'il y avait certaines choses de ma vie qui ne marchaient pas, notamment les études. Je remarquais toujours des blocages et tout le reste, mais sinon, avant moi-même, je ne réalisais pas. Mais c'est après, j'avais fait un rêve où je voyais un peu certaines personnes prononcer mon nom, et quand ils prononçaient mon nom, mes études prenaient un coup. Donc, ça m'a vraiment fait causer un grand retard au niveau des études. Donc c'était un peu ça. Et lorsque je partais à l'église au fur et à mesure, dans les temps de prière et tout, je me rappelle, il y avait une période où je sentais qu'il fallait que je jeûne. Et je me suis mis à jeûner. Je pense que j'avais fait un jeûne de 6h à 18h, peut-être pendant une semaine. Et je voyais chaque nuit où je me battais en fait avec tous ceux qui habitaient en fait dans la maison de ma tante en question là, chez qui j'étais allé passer les vacances, je pense à peu près à 10 ans là. Chaque nuit, je voyais, je me battais avec eux. Mais moi, dans le rêve, intérieurement, je savais que ce n'était pas moi. Mais une voix m'a dit que c'est l'ange du Seigneur qui a pris ta force. Et je voyais, plus je priais, plus je jeûnais, plus l'ange du Seigneur avait plus de force de se manifester. Et je voyais, c'était des bagarres intenses. C'était vraiment des bagarres intenses parce que je voyais, ils pensaient qu'ils se battaient contre moi, mais ils se battaient en fait, bon, je vais dire avec l'image qu'ils avaient de moi. Ils se battaient avec l'image de moi. C'est une bagarre où vous vous battez au salon, là-bas, vous attrapez. Une bagarre vraiment intense. C'était vraiment une bagarre très intense où vous vous attrapez au salon. Vous vous battez, vous sautez même jusqu'à l'extérieur de la maison. Donc, vous sautez les marches, mais vous vous attrapez seulement. Vous êtes seulement en train de vous battre. Et donc, c'était vraiment une bagarre très, très, très intense. Et à la période où l'histoire s'est passée, on n'était plus dans la même ville. On n'était plus dans la même ville au Gabon. Moi, j'étais allé dans une autre ville. Je vois, il y a mon père qui m'appelle, qui me dit que non, mais là-bas, chez eux, là-bas, ça ne va pas. Eux, ils ne se sentent pas bien, ils sont très malades actuellement, c'est grave. Ils sont en train de s'apprêter à aller, ils sont en train de s'apprêter à faire un voyage pour aller en Europe là-bas pour se faire soigner. Bon, moi, je savais même pas de quoi il s'agissait en fait. Donc, je pense, lorsqu'ils se sont apprêtés pour partir, ça n'a même pas fait 4 à 5 jours, le mari est mort et la dame aussi, elle était gravement malade. C'est maintenant un peu plus tard que lorsque j'avais un peu appris les choses concernant la délivrance et tout, que j'avais appris que non, mais il t'avait sûrement fait quelque chose et c'est au fur et à mesure que tu priais pour ta vie et tout, pour que les choses fonctionnent, c'est là où maintenant il y avait les bagarres que tu voyais là. Et ça entraînait la mort du monsieur. Et sa femme est restée très malade, très malade. En tout cas, elle était gravement malade même. Et je tenais à rappeler que le monsieur, ce n'était pas les petits gens du quartier, comme on dit souvent. C'était un colonel. Bien évidemment, je ne peux pas citer le nom, mais si je citais le nom ici, beaucoup de gens vont le reconnaître. Donc, c'est à la suite de ça qu'il est mort. Donc, c'était vraiment... C'était vraiment très étonnant que tu vas te dire que mais quelqu'un qui a l'argent comme ça, qu'est-ce qu'il va faire avec ta vie, qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Donc vraiment, je tenais vraiment à partager mon histoire parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont souvent chez les oncles, chez les tantes et qui vivent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc je vivais un blocage, je ne savais pas d'où ça venait et c'est par la suite quand j'ai commencé à prier pour cela que j'ai eu les yeux ouverts sur la situation. Donc, merci de commenter et de partager. Incroyable. Mais vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore un autre témoignage hors du commun.
Une histoire terrible. Encore une autre histoire. Et cette histoire concerne ma mère. Oui, je n'ai pas vécu, mais ça concerne ma mère. Directement ma mère. Ma mère m'a expliqué une histoire comme ça pour dire que lorsqu'elles étaient plus jeunes, dans le village où elles étaient, il y avait une dame, disons, de leur promotion, une jeune fille qui était très belle. Elle scintillait. Tout le monde lui faisait la cour. Elle avait de prétendants de partout, des villages voisins. En tout cas, les prétendants affluaient de part et d'autre. Parce que tout le monde voulait qu'elle devienne, comment dirais-je, leur femme. Ah, maman dit, la dame était tellement jolie que même eux, les femmes, l'enviaient. Donc, imaginons du côté des hommes. C'était maintenant la chasse aux prétendants. Tout le monde voulait impressionner la belle. Mais ma mère dit, elle avait un défaut. La jeune dame en question, elle était très insolente. Elle ne respectait pas. Elle fixait ses prétendants et consorts. Elle avait tellement de prétendants que elle les malmenait. Elle était très agréable et elle parlait très mal. Donc voilà qu'un jour, la jeune fille tombe malade. Elle tombe très malade. Vous savez, au village là, c'est vrai que bon, avec l'arrivée des religions et autres, mais avant, nos parents aimaient beaucoup consulter. Maman dit qu'elle est tombée malade, franchement ça n'allait pas. Au point où qu'elle s'asseyait souvent, elle se faisait, ses parents la faisaient coucher plus qu'elle ne pouvait plus tenir sur ses pieds. Et donc qu'elle est couchée, il y a des mouches qui sortent dans son corps. Il y a des mouches qui sortent dans son corps. Elle pleurait, elle se lamentait. Elle demandait pardon à ses parents pour qu'ils puissent aller consulter. Comme ça, on puisse voir celui qui lui infligeait ce sort pour qu'elle puisse aller lui demander pardon. Et c'est comme ça que ses parents sont partis demander, comment dirais-je, chez le féticheur. Et ils ont dit comme ça, c'est un prétendant qui lui avait, comment dirais-je, infligé ce sort, parce que la jeune fille en question, elle était très très insolente, elle vexait trop. Et il y a un prétendant qui n'a pas, comment dirais-je, du tout apprécié, et lui avait envoyé, comment dirais-je, ce sacrilège, ce sort. Et donc ils ont vu le monsieur en question, on lui a demandé de faire quelque chose, il a dit non, que le processus était tellement avancé qu'il ne pouvait rien faire malheureusement. Et donc c'est comme ça, elle est morte. Et je partage cette histoire avec la communauté pour dire à certaines filles qui sont très belles, très très jolies, de faire très attention aux gens qui les abordent, à leur manière de, comment dirais-je, de refuser. Lorsque quelqu'un te t'aborde quand tu n'es pas, comment dirais-je, intéressé, il faut savoir le repousser, quoi. Voilà, c'était ma petite histoire. Merci. La communauté. Waouh, elle a tout à fait raison. Je l'écoute encore, quelqu'un qui a des choses à nous dire. Faites attention, surtout aux grands-mères, parce que elles ont eu à faire des... Elles font des pratiques bizarres, vous savez, elles font des pratiques bizarres. Il y a forcément des cachets, des choses très cachées dans la famille que dont vous n'êtes pas au courant. Mais eux tous, ils sont au courant, mais sauf vous. Vous voyez? Et vous serez là en train de rigoler avec ces gens-là. Et vous pensez que, bon, ils vous aiment, ou bien vous pensez que ils ont quelque chose pour vous, ils ont une estime pour vous, et vous êtes là à les garder dans vos cœurs, alors que c'est ces gens-là, c'est parce que vous fréquentez ces gens-là que vous avez plus de problèmes dans votre vie. Moi, je vais parler ici plus précisément de l'histoire de ma grand-mère. J'avais une grand-mère. Elle n'était pas... C'était pas le genre de grand-mère assez simple. Au fait, ma grand-mère, elle avait déjà... Elle a rencontré... Bon, elle avait son mari, c'est-à-dire mon grand-père.
et avec qui elle menait déjà une relation. Elle a fait jusqu'à, je pense qu'elle a eu 7 enfants, dont l'aîné est ma mère. Je sais pas, on n'a pas compris à un moment donné, bon. Et mon grand-père, normalement, il était architecte. Je tiens à le rappeler. C'est un grand architecte, normalement, à l'époque, au pays. Et il travaillait bien dans les grands bâtiments, dans les grands immeubles, dans la construction de grands bâtiments, la construction. Donc, il travaillait beaucoup avec les gens. Donc, c'était un gars, c'était un richissime homme d'affaires. Et un jour, il a eu à prendre une décision. C'est-à-dire, il a décidé à prendre une nouvelle femme. Et quand il a pris une nouvelle femme, c'est là qu'il a attisé. Il a attisé la colère de ma grand-mère. Et c'est là, on n'a pas compris. C'est là beaucoup de choses ont chamboulé dans la famille. Donc il y a eu divorce. Il était obligé de se séparer. Et il est allé, lui, de son côté. Et ma grand-mère aussi était de son côté. Donc elle a gardé ses enfants, quoi. Elle a gardé ses enfants. Maintenant, elle a roublé tout ce monde-là. Elle a oublié tous ses enfants, c'est-à-dire en mode, elle les a gardés et elle a fait en sorte qu'elle a monté tous les enfants contre le père. Elle a fait en sorte que, à un moment, il y a même certains parmi eux qui ont commencé par porter le nom de ma grand-mère, c'est-à-dire ils ont renié le nom de leur père, ils ont pris le nom de la grand-mère. Et on n'a pas compris à un moment donné. Dans quoi, comment elle s'est démerdée pour. Parce qu'à cette époque-là, moi, mon. Depuis cette époque-là, moi, mon grand-père a chuté, au fait. Il s'est fini, il chutait, ses affaires chutaient, il n'y a plus rien qui marchait pour lui. C'est-à-dire, bon. On comprenait. C'est des trucs que moi, j'observais quand j'étais petit. Parce qu'il savait très bien que quand j'allais chez ce grand-père-là, bon, à l'époque, quand ils étaient ensemble, mais moi, j'étais bien fourni, tout et tout, c'est-à-dire. C'est les gens, bon, moi, du côté de, comme je vous l'ai dit, du côté de ma mère, bon, ils sont beaucoup riches, donc, ce qui fait que moi, ils claquaient. Dans un moment, j'ai vu, au fil du temps, au fil des années, j'ai vu le business de mon grand-père chuter, même ce côté santé, côté, c'est-à-dire chuter, même relations sociales, tout et tout, beaucoup de choses, de ces choses se chutaient. Ah. Donc, moi, je grandissais dedans, je grandissais dedans, j'ai vu que même ma mère, traumatisé tout le monde, c'est-à-dire c'était vraiment bizarre dans cette famille-là. Donc nous tous on a l'habitude, puisque c'est elle qui a le cash, elle a vraiment l'argent, ma grand-mère. Donc ce qui fait que nous on a oublié à chaque fois, bon, nous les enfants, c'est-à-dire moi, mes cousins, ou bien même ses propres enfants aussi à elle-même, c'est-à-dire moi, mes tantes et oncles. Donc on lui beaucoup tous on lui piquait son argent dans le secret. On lui piquait l'argent, lui piquait l'argent, lui piquait l'argent. Jusqu'à un jour même, à un moment donné, on a quitté la zone et rentré dans ces bijoux en or. Donc, les piquets, tout. Moi-même, à un moment donné, bon, j'ai eu à les piquer un bijou en or. Mais c'est ce bijou en or-là que j'ai comme l'impression, ça a été vraiment un bijou qui l'a vraiment marqué. Donc, un jour, j'ai piqué ce bijou-là. Donc, elle s'est levée, elle est venue me voir. Elle a dit que si tu as pris mon bijou, il faut que tu me le dises. Donc moi j'ai nié parce que si jamais j'avouais, c'est que tout ce qui est perdu dans la maison, ça veut dire que c'est sur ma gueule, ça va tomber. Donc moi, j'ai pas voulu prendre ce risque-là. Non, j'ai nié à l'époque. Elle a dit bon, si c'est ça, que celui qui a pris ça assume les conséquences de ce qui va arriver dans sa vie alors. Bon, au départ, quand moi j'avais entendu cette menace, bon, j'avais pas pris ça autant au sérieux, je me disais bon. C'est normal, elle a mal, c'est pour ça qu'elle parle comme ça. Ou bien elle allait me taper. Parce que moi, je ne connaissais rien des choses mystiques, tout et tout. Donc pour moi, c'est ça. Donc c'est à partir de cet instant dans ma vie, c'est l'âge dont je vous parle là. J'avais au moins dans les 14 ans, 15 ans par là. Hein. 14 ans, 15 ans, je peux pas. Donc elle m'a eu à me faire cette menace. Et quelques temps après, bon, j'ai eu, moi, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois après, 3 mois. J'ai commencé par faire des rêves bizarres, des rêves où je la voyais tout le temps dans mes rêves, tout le temps de rentrer dans ma chambre, être sur mon lit. Après, parce que je ne peux plus me rappeler de certains détails, mais je sentais que je commençais par rêver fréquemment, fréquemment, fréquemment. Bien des fois, je me voyais dans son marché, elle avait une boutique au marché.
Je me voyais en train d'aller, c'est-à-dire elle mettait les pains, je me voyais à chaque fois en train d'aller dans sa boutique pour lui faire, c'est-à-dire pour travailler pour elle, au fait. Dans tous les, à chaque fois dans les rêves, j'ai comme l'impression que je travaille pour elle, je travaille pour elle, c'est-à-dire elle me commande pas, par là. Donc j'ai comme l'impression que j'étais son esclave dans le rêve. Quand j'étais là, à un moment donné, je me disais, ah, c'est quoi ce rêve-là? Je fais tout en chemin avec ma mère, tout. Donc, à un moment donné, bon, moi, ça m'a. Bon, j'ai grandi, j'ai fait mes études. Bon, je me suis dit, bon, il faut que je me batte. Donc, j'ai fait mes. On a opté pour faire des papiers pour aller en France, tout et tout. Donc, j'ai fait pour continuer mes études. Donc, on a tout préparé, je suis parti. Donc, arrivé là-bas, bon, j'ai au moins eu une petite bouchée d'air où je me suis dit que bon, ça va, je vais pouvoir peut-être m'en sortir maintenant et tout et tout. Et donc, arrivé là-bas, ça n'a pas traîné, j'ai trouvé un job, donc, je me suis fait de l'argent. En même temps aussi, j'avais des business, tout et tout, qui me rapportaient de l'argent, donc je pouvais gérer vraiment sans la famille, tout et tout. Mais j'ai l'impression que. Les rêves continuaient aussi là-bas, hein. Ça continuait à chaque fois, tout et tout. J'ai comme l'impression que j'étais attiré à chaque fois par la famille, j'étais attiré, attiré. Mais je n'ai pas compris pourquoi ça m'arrivait à chaque fois. Donc je me posais beaucoup de questions. Donc à un moment donné, bon, j'ai voulu même me construire, j'ai voulu même me marier là-bas, tout et tout. Et quand je voulais me marier, pour bon, moi, je voulais informer pas grand monde, je voulais juste informer ma mère, tout et tout, ma soeur. La chose m'a dit, et bon, moi j'ai informé ma mère, normal quoi. Alors que ma mère aussi, elle avait, pour elle, tu vois, elle était un peu complice. Bon, moi je dirais, elle était sous emprise, elle ne savait pas même ce qu'elle faisait. Donc elle me livrait en fait tous mes secrets, tout ce que moi je confiais à ma daronne en tant que, bon, genre ma première confidente. Elle allait tout rabâcher dans la famille là-bas. Tout le monde sait tout ce qu'il sait. Si j'ai chié aujourd'hui, tout le monde sait. Si j'ai, excusez-moi le terme, hein, si j'ai bu de l'eau aujourd'hui, tout le monde sait. Dans la famille. Donc c'est ça qui a fait que j'ai tout fait possible pour que ce soit les deux seulement qui le savaient. Je les ai même dit de ne rien dire. Donc malgré ça, j'ai comme l'impression qu'ils ont tous appris au bled. Donc un jour, j'ai reçu un message de mon oncle qui me dit, ah, tiens, tiens, on a appris que tu te maries, tu ne nous as même rien dit, tu ne nous invites pas. J'ai dit que ah, vraiment, moi j'ai voulu nier parce que je n'avais pas envie de trop parler par rapport au mariage, surtout encore avec ma famille, quoi. Il me disait, ah, et je lui ai dit, ah, que moi-même je me marie et je ne suis pas au courant. Donc moi c'est ce que je lui ai répondu, que bah, même la personne qui se marie là n'est pas au courant. Qui se marie. Et moi, je ne me marie pas. Hein. Que c'est une fausse alerte. Il a dit ok. Il m'a répondu comme ça. Et moi-même, depuis qu'il a répondu comme ça, bon, moi-même, bizarrement, je n'ai pas compris. Après, j'ai reçu, j'ai comme l'impression qu'ils ont envoyé en mission ma soeur chez moi. Et j'ai reçu la visite de ma soeur. Depuis le temps-là, j'ai plus rien compris dans la maison. J'ai commencé par me disputer avec mon ex-copine, tout déjà, je commençais pas à me disputer. Tout le temps, je me disputais. Même après le départ de ma soeur, je commençais pas à me disputer jusqu'à ce que c'était devenu invivable. Dans la maison, c'était devenu vraiment invivable. C'est de là, j'ai compris. À l'époque encore, je ne comprenais rien. Et voilà que il y avait, soi-disant, la maman de mon ex-femme là qui était de façon visionnaire, mais moi je dirais plutôt une sorcière. Alors, moi je disais qu'elle était une sorcière, pas une visionnaire. Donc du coup, elle à chaque fois ne cessait de me répéter qu'un jour tu vas connaître le vrai visage des gens de ta famille, surtout en priorité ta maman. Donc à chaque fois c'est ce qu'elle me disait. Et donc, elle ne cessait de me répéter ça. Donc moi je me suis dit, mais. De quoi elles parlent ces gens-là? Qu'est-ce qu'elles disent? Bon, moi je comprenais pas ça en tant que genre, parce que je ne connaissais rien des choses mystiques, tout et tout. Donc j'étais là tranquille. Bon, à un moment donné, bon, tellement c'était insupportable que j'ai décidé de couper court au mariage qui était en cours.
et de partir. C'est-à-dire, je me séparais de la fille. Donc, je me suis séparé, c'est de là le début de mes problèmes. Et j'ai commencé par tout rater, tout chuter, jusqu'à ce que je suis redescendu en famille, au bled. Je suis revenu encore en famille, totalement. Ça a commencé déjà en France parce que là, à un moment donné, j'étais vraiment. Ça m'a, les choses ont chuté pour moi au point où je suis allé encore rester chez ma soeur, tout et tout. C'est de là que j'ai commencé par vu leurs agissements envers moi. Parce qu'encore, il faut dire que quand je travaillais, au moins, je trouvais l'argent. J'aidais beaucoup ma mère, j'aidais aussi ma soeur. Mais aujourd'hui, quand les choses se sont passées, c'est pas qu'ils n'essaient pas de m'appeler, mais j'ai comme l'impression. C'est hypocrite au fait. C'est un peu des gens. Vous amenez les gens. Bon, c'est-à-dire, vous ne voulez pas du bien des gens. Et en même temps, vous voulez que vous aimez les gens. Parce que c'est ça qui est bizarre avec l'être humain. L'être humain ne t'aime pas. Il ne veut pas de ton bien. Mais en même temps. Je sais pas, en même temps, il est derrière toi. C'est-à-dire, il veut montrer qu'il te soutient. Il veut montrer alors que c'est hypocrite. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de type d'humain. C'est un peu, c'était un peu ça, les gens de la famille que j'avais. Donc, en gros, pour être bref, hein, parce que j'essaie de sauter certaines étapes pour ne pas être trop long. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et je vois simplement que mais, je suis parti. J'ai quitté une certaine condition. Je suis parti. Je prenais déjà mon envol. Après, je reviens encore, je me revois des années plus tard, encore dans la même condition que dont je suis parti. Ah! Donc, je commence pas à me poser des questions. Je commence pas à me dire, mais il se passe quoi ici? Il se passe quoi dans ma vie, au fait? Comment je peux me retrouver encore? Comme si je n'avais jamais bougé, au fait. Je viens. Parce que je me rappelle, je me revois comme le gamin que j'étais avant dans la maison familiale, tout et tout. Donc je me suis retrouvé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu que j'étais le genre de personne maintenant. Bon, à un moment donné, moi qui commençais, je faisais des business, je comptais déjà des euros, tout et tout. Je connaissais déjà quand même. Au moins, bah, si j'ai un peu seulement dans à la fin de chaque mois. Quand j'étais au truc, c'était au moins 3000 euros. Mais je reviens au bled sans rien, comme si, bon, c'est comme si on m'a appelé et j'ai répondu, quoi. Et j'ai répondu à l'appel, au fait. Donc je reviens, je me retrouve, et c'est bizarre, ça m'a même fait bizarre la façon que je suis revenu, je me suis retrouvé au bled, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment je me suis fait pour me retrouver dans cette condition, dans ce schéma-là? Et tu vois les mêmes principes qui se passaient, tu vois les mêmes oncles là qui sont là. Mais les mêmes temps qui sont là, maintenant ils veulent te tendre la main comme ils le faisaient auparavant. Au début encore, je me disais, bon, j'acceptais bien le soutien, tout et tout. Mais c'était bizarre. Donc, il y a aussi une partie. Quand je suis arrivé, bon, encore, je me suis dit que j'allais me cacher un peu parce que j'ai pris une location, tout et tout. J'ai loué un appartement, je suis resté dans l'appartement. Je me suis dit, j'allais me cacher, me ranger un peu. Bon, en plus, je comptais encore un peu sur mon père parce que mon père, il était encore là. Je rentre encore, ça n'a même pas tardé. 2 semaines après, mon père, il décède. Je dis, mais c'est quoi ça? Et ça, je vais revenir spécialement dans une autre. Je vais revenir dans une autre, dans une autre saison pour vous parler de l'histoire de mon père. Et vous allez. Ça aussi, je pense que c'est une leçon aussi que je dois faire partager à mes frères. Et pour qu'ils comprennent certaines choses dans la vie. Donc vous voyez, c'est ça, j'ai commencé pas vraiment être bizarre dans la famille là, donc je ne comprenais plus rien. Donc après, à un moment donné, et voilà, je parlais de mon père tantôt. Et mon père, au fait, quand ils l'ont enterré tout et tout, je vois ma grand-mère qui commence, je ne sais même pas ce qu'elle a à voir. En rapport avec mon père. Je vois ma grand-mère. Déjà, ils m'ont déjà saoulé du côté de mon père, où les gens commençaient pas à me demander les ongles, les cheveux de mon père, pour tout des trucs. Genre. C'est là que j'ai compris. C'est de là que les choses mystiques ont commencé à sonner dans mes oreilles. Sinon, moi, je connaissais rien, je ne comprenais rien. Bon, quand j'entends parler de sorcellerie avant, pour moi, je me disais, bon, ça ne me regarde pas ce genre de truc. Mais aujourd'hui,
C'est à partir de là que j'ai commencé. Quand on me demande les ongles, les cheveux, oui, mais c'est pourquoi faire ça? On dit, ouais, il y a des rituels, non. Après, quand je me suis renseigné bien, les gens disent que c'est la sorcellerie. Donc, j'ai vu que ma grand-mère en question, elle est venue soi-disant m'assister tout et tout. La première des choses qui la préoccupait, c'était la couverture de mon père. Elle m'a dit, à toi, de quoi tu es là à parler de la couverture de mon père? Donc, moi, quand ils ont fini, ils m'ont donné la couverture de mon père. Ils m'avaient rangé parce que le jour où j'ai réclamé cette couverture-là, donc ils m'ont donné la couverture sur laquelle il était décédé, sur laquelle il était mort. Parce qu'apparemment, les gens utilisent ça aussi pour dans la sorcellerie. Donc ils ont demandé la couverture. Je dis, mais pourquoi toi tu demandes la couverture et tu insistes comme ça? Le jour même de la cérémonie, ils ont fait une cérémonie du troisième jour, je pense, pour le décès de mon père. J'avais gardé le colis en main, c'est-à-dire le colis dans lequel il y avait la couverture. Et j'ai vu, elle insistait, c'est-à-dire ma grand-mère qui insistait, qui me dit, oui, amène le colis, tout. J'ai dit non. Moi, j'ai refusé net. Moi, je suis parti, quoi. J'ai même pas traîné. J'ai même pas traîné à la cérémonie. J'ai pris le colis, je suis parti. Moi, dès que je suis rentré, j'ai brûlé toute la couverture, j'ai tout brûlé. Et voilà, je me suis dit, c'est bon. Parce que vous me saoulez déjà avec vos histoires de couverture. Donc, moi, j'ai tout brûlé et je suis assez tranquille. Après seulement, j'ai pas compris pourquoi elle envoie encore ma tante m'appeler. Ah, qu'est-ce que tu as fait de la couverture? Mais pourquoi ça vous intéresse comme ça? Elle dit non, qu'il faut vraiment préserver la couverture, il faut pas laisser ça dans les mains de n'importe qui, tout et tout. J'ai dit ok, j'ai compris. Que j'ai dit à brûler ça. Elle dit ah, ok, d'accord. Et c'est là que je les ai laissés. Donc depuis là, franchement, ça fait que beaucoup de choses sont troublées dans ma tête. Je commençais pas à comprendre que. Il se passe des choses pas nettes. Dans ma famille, il se passe vraiment des choses pas nettes. C'est de là que j'ai commencé à prendre cette inconscience. J'ai vraiment commencé à m'arracher de là, petit à petit. J'ai commencé vraiment à prendre ma vie en main. Et depuis là, ils essaient toujours de m'appeler pour que je vienne. Ils essaient toujours de faire les trucs pour que je vienne. C'est-à-dire, viens, ils sont là. Pour la plupart d'autres, ils sont en train de... Voilà, de m'insulter que moi je suis devenu arrogant, bizarre, que moi c'est comme ça, je fuis la famille, je reste dans mon coin, tout et tout. Vraiment, c'est mieux. C'est mieux, je vous jure, c'est mieux. Aujourd'hui, chers frères, il faut comprendre que c'est pas qu'il n'y en a plus de bonnes familles, hein, mais il faut comprendre que quand c'est chaud en fait. Il faut comprendre que il y a certaines familles-là, il faut laisser tomber seulement. Il faut laisser tomber, c'est-à-dire ne cherchez pas à penser, créez vous-même votre propre famille. Créez, les gars, créez vous-même votre propre famille. C'est-à-dire, prenez, si vous avez, si tu es un homme, prends une femme, va fonder ta famille ailleurs et concentre-toi dans ce que tu fais. Arrête, même affaire de maman, papa, arrête ça. C'est la première personne qui va te vendre. C'est la première personne qui on va te dire, ah tiens, il veut mourir. Ah, si jamais, peut-être, on voit que ta maman doit mourir, tous les gens. Et que si pour changer le sort, pour changer le truc, et quand c'est toi, on doit utiliser pour remplacer, elle ne va pas hésiter. Elle n'hésitera pas à le faire. Parce que aux yeux des familles, surtout les familles africaines, aux yeux des familles, vous êtes comme, on est comme des objets qu'ils utilisent. Les gens, réveillez-vous, hein, parce que c'est pour ça cette émission de MGG, j'aime ça, parce que ça ouvre vraiment les yeux. Parce que beaucoup de gens racontent des histoires vraiment pas possibles. Moi, je pense même que je n'ai même rien vécu. Ou peut-être que moi, je pense même que Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. Moi, dans mon histoire, je raconte même, à mon avis, je trouve même que Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. Mais sinon, que j'ai écouté des histoires sur la chaîne de DMG, mais j'ai vu que, mais attends, il y a des gens, ils ont vécu des choses terribles. Vous voyez, ils ont palpé même des choses terribles. Encore moi, j'ai fait des rêves. Bon, aujourd'hui, je sais que ma situation d'aujourd'hui, bon, c'est pas encore ça. Mais je rends grâce à Dieu parce que je me dis, bon, ça ne pourrait pas être plus pire que quoi. Ça ne pourrait vraiment pas être plus pire parce que dans ma situation aujourd'hui, je remercie Dieu. C'est vrai que j'ai quitté un certain truc pour me ranger aujourd'hui. Mais je rends grâce, quoi. Je rends grâce. Mais toujours est-il que vraiment, les gars, prions, quoi. Prions et lisons beaucoup la Bible. Parce que Jésus, que la paix soit sur lui, n'est vraiment pas venu pour rien, en fait. Il est venu pour nous ouvrir les yeux. Parce que lui-même, il n'a pas manqué de nous dire
Les premiers gens, les premiers ennemis, c'est d'abord les gens de votre famille. S'il a dit là, allons réfléchir, percer le mystère. Allons réfléchir, comprendre pourquoi il a parlé de ça. L'homme qui voulait aller enterrer son père, qui disait, ah, je veux bien te suivre, Seigneur, mais laisse-moi aller enterrer ton père. Laisse les morts aux morts. Vous savez, Jésus, cette réponse que Jésus a donnée, laisse les morts aux morts. Il savait ce qu'il disait. Laisse les morts aux morts. C'est-à-dire le père qui était déjà mort, mais le reste de la famille n'était pas mort. Mais il disait, laisse les morts aux morts. C'est-à-dire, il y a une chose, il faut comprendre la différence entre le charnel et l'esprit. Parfois, le charnel peut subsister et l'esprit est en train, est déjà mort. C'est comme ça le contrat aussi peut exister. C'est comme ça le charnel peut mourir, mais l'esprit est toujours là en train de gérer. C'est pas pour rien que vous allez entendre quelqu'un est mort et son esprit est toujours là en train de gérer. Ça veut dire que cette personne, son esprit vit encore. Vous voyez? Et parfois c'est le contraire, parfois c'est l'esprit qui est déjà foutu et le corps est là, en train de balader. C'est là qu'on appelle les gens des zombies. Vous voyez? Donc faisons très attention. Dans ce monde, guettons vraiment les gens de nos familles. Quand vous voyez qu'il n'y a pas la moindre trace de la moindre trace de Dieu dans leurs affairages, il n'y a pas la moindre trace de pudeur ou bien de sensibilité dans leurs affairages, je vous en prie, tenons-nous tranquilles. Préservons-nous, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde. Mais genre, doucement quoi. Parce que même Jésus n'a pas été approuvé par sa propre famille. Sa propre famille l'a rejeté. Où il disait, il a reçu l'incrédulité de sa propre famille. Donc vous voyez que, je ne sais pas que moi je nous dis que nous sommes des Jésus, mais au moins... je pense que nous sommes des Jésus, bon, enfin, des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu, même si nous sommes innocents, même si on n'a pas vraiment le... Même pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas le Christ vraiment en tant que tel dans nos vies. Au moins, nous sommes des innocents, nous sommes des âmes innocentes, des âmes qui ne connaissent pas la méchanceté, les âmes qui ne connaissent pas comment tuer l'autre, comment remplacer l'esprit de l'autre par l'autre. Nous ne connaissons pas ça, en fait. Mais il y a des gens dans vos familles qui sont proches de vous, qui vous voient comme des moutons, au fait. Honnêtement, c'est-à-dire de l'œil où vous regardez pendant que vous les voyez humains, mais eux, ils vous voient comme animal, ils vous voient comme genre mouton que moi j'ai fait là, j'ai préparé, j'attends juste le jour où bon, j'aurai vraiment faim pour le prendre, pour le daler, pour le manger. Honnêtement, il y a des gens qui vous regardent comme ça. Aujourd'hui, moi je prends du recul, j'observe beaucoup de trucs dans ma famille, je dis mais merde. Je faisais quoi avec ce genre de personnes? Genre, la personne attendait juste, bon, ok, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment du mal à manger lui, parce qu'il n'est pas encore assez tendre pour le bouffer. Donc, je vais attendre quoi? Quand son tour va arriver, il y a des gens de vos familles qui vous regardent comme ça. Il y a des gens, votre grand-mère, ou votre oncle, ou votre tante, ou même votre père, ou votre mère même, qui vous a mis au monde, qui vous regardent comme ça. Qui attend juste une bonne occasion pour vous bouffer, une bonne occasion pour vous sacrifier, pour une bonne occasion pour vous vendre. Ils attendent ça. C'est pour ça que je dis, faisons attention, je vous jure, faisons attention. Les trucs, c'est tellement subtil. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est subtil. Si quelqu'un veut mélanger ton esprit, c'est très subtil. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai pris ma décision, je me suis beaucoup éloigné d'eux, j'ai pris mes distances. Et depuis... C'est vrai, bon, il y a quelque chose. Moi aussi, j'ai retrouvé au moins quelque chose. Et ben, bon, je suis quand même en paix avec moi-même. Même si je sais que côté professionnel, côté social, j'ai pris un coup parce que, bon, je suis en train de réformer tout ça. Je suis en train de me reconstruire. Vous voyez, je suis en train de reconstruire mon esprit parce que mon esprit est... Moi, je pense qu'à l'époque, a été endommagé. Aujourd'hui, je n'ai pas suivi parce que moi, je n'ai pas vraiment le chemin. S'il y a des gens qui écoutent mon histoire, je n'ai pas vraiment le chemin pour me guider vers des gens pour me truc. Mais toujours été qu'aujourd'hui, je pense que Dieu m'a guidé. Vous voyez, Dieu m'a guidé vers des témoignages, vers des trucs qui m'ont en même temps aidé moi aussi. C'est-à-dire, à travers les témoignages de certaines personnes, je me suis éveillé aussi. Vous voyez, et particulièrement aussi ton témoignage à toi, DMG. Et tes témoignages et de tes abonnés, vraiment,
Ça m'a beaucoup éveillé aussi quelque part. Ça me ramène un peu mon esprit. Ça me ramène un peu ma vie. Là, je sais pourquoi Dieu a voulu que ma vie soit un peu comme ça. Parce que c'est pour m'amener à comprendre certaines choses, au fait. Parce que tant que je ne vais pas comprendre ces choses-là, je ne peux pas reformer certaines choses. Je ne peux pas reprendre mon pouvoir et reformer certaines choses. Donc, c'est ce que j'entends de comprendre, au fait. En gros, bon, je ne sais pas si j'ai été vraiment, bon, pertinent dans mon histoire. Mais c'est normalement le but, mais en même temps, il faut des familles, je vous en prie, lisons beaucoup la Bible, lisons beaucoup les saints livres, que ce soit la Bible, le Coran, lisons beaucoup les saints livres, parce que les saints livres nous parlent vraiment de nous. C'est-à-dire les saints livres nous ouvrent les yeux en mode nous montrant les signes. Quand vous voyez telle personne faire ci, faire ci, il ne faut pas t'aveugler. Même Jésus a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Comment alors tu vas voir que ta maman a de la sorcellerie, ou ta maman fait des trucs de la sorcellerie, ou me fait de la magie, et tu vas la laisser, encore pénétrer ta demeure, pénétrer tes affaires. Comment? Même si tu pries, je ne refuse pas que tu ne vas pas prier tout et tout, mais la prière veut d'abord que tu maîtrises d'abord là d'où ton mal vient, et que tu saches que, bon, tu saches vers qui tu rediriges cette prière-là, tu vois. Donc, si c'est que les gens se cachent disant la prière, oui, on va prier, certes, mais il faut connaître aussi là où le problème vient. Ce n'est pas que forcément on est mauvais. Parfois, il suffit juste que tu fréquentes quelqu'un qui est mauvais pour que tes histoires se gâtent. On a écouté des histoires ici. Les gens étaient bien. Il a fallu seulement qu'ils rentrent en fréquentation avec quelqu'un seulement. Et tout a chuté dans la vie. Il a fallu seulement qu'ils couchent avec tel homme, mais telle femme. Tout a chuté dans la vie. Donc il y a aussi le fait de fréquenter quelqu'un de mauvais ou bien quelqu'un qui n'a pas un bon esprit. Et ça peut aussi te créer de problèmes dans ta vie. Donc c'est ça ce qui est le plus important. C'est ça, normalement. C'est regarder l'esprit des gens. Parfois, on nous a volé nos étoiles sans qu'on ne s'en rende même compte. On est là, on se perd dans la vie. Voilà. Maintenant, c'est pas que c'est quelque chose qui est perdu. Dieu peut te reprendre, te donner ça. Mais à condition que tu saches maintenant où est ton problème et que tu saches te cacher et que tu saches te venger. Et voilà, c'est ce que j'aurais voulu partager avec vous. Je ne sais pas si j'ai été pertinent, vraiment désolé pour mes redondances et tout ce que j'ai eu à dire, bon, là, toutes les phrases que j'ai eu à répéter et surtout la longueur de l'histoire. Vraiment, prochainement je reviendrai, mais plus avec plus de concision et de précision. En tout cas, pour moi, son message est très clair. Très, très clair. Ha! Il ne faut faire confiance en personne. Même à son père, et même à sa mère, et même à ses frères, et même à sa famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui. Tout est mélangé. Que pouvez-vous me dire de cela? Laissez un commentaire et dites-moi tout sur ce que vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Gnassoubonne dans quelques instants. Abonnez-vous, likez et partagez.